Nous ne sommes pas hypocrites. Quand tu es dans l'église, quand tu es dans l'État. Michel, à la différence de Lot, c'est pas trop haut. Nous tous qui la connaissons, c'est pas une moune. Majorité paroisse dans le diocèse là, il y a des saints patrons ou encore des saintes patronnes qui sont des mounes. Mais qui cite là, moi je crois que c'est un privilège que nous gagnons, le fait que ce n'est pas une moune qui patron nous, mais c'est nos anges. Peu avec ce mignon, l'église là, lui joue une tradition question anges à travers judaïsme, religion juive là. Côté que il y a un statué, il y a 9 cœurs des anges. Parce que 3 bagailles sous 9 cœurs des anges dans la Bible, mais dans Colossiens chapitre 1er verset 16, Éphésiens 1er verset 21, apôtre Paul fait mention de Zangion, Archangion, Chérubéon, Séraphéon, Tronion, Principotéon, puissance, domination et enfin les vertus. Michel fait partie des archanges, que nous connaissons trois, Michel, Raphaël et Gabriel. Il dit aussi archange, pour qui ça? Parce que il a toujours annoncé de grands événements. Il a toujours réalisé des bagages extraordinaires. Vous êtes capable de dire que c'est des super anges que vous avez. Les petits nous écoutent dans le livre Daniel 21, et presque tout côté Daniel parle de Michel comme prince, comme chef, lui présentait comme gardien et protecteur du peuple Israël. Et à travers tâche que Michel gagnait, qui ont attribué à lui, nous avons découvert que l'histoire des hommes, il n'est pas seulement dans mes dirigeants politiques, mais c'est pour Dieu qui a mené l'histoire. Par l'intermédiaire de messagers, qui là, qui servit comme intermédiaire, comme porte-parole, l'un besoin de communiquer des messages à peuple. Donc, c'est pour Dieu qui a engagé en premier dans la bataille que nous-mêmes, les hommes, nous avons mené pour toute force fénoire. Pour toute force mal. Pape François, il encourage les fidèles de prier en pile Saint-Michel. Pour demander Saint-Michel pour protéger l'église là, contre l'action diable là, pour que l'église là, il ne prenne conscience de péché lion, des erreurs qu'elle commette, des abus passés. Est présent. Parce que yon le plus gros bagaille, Satan, diable, a fait, c'est faire au perdu sans péché, pour pas prendre conscience de son péché. Donc, un péché collectif, parce que soit dit, mais faut que l'église, là, en tant que telle, lui veut prendre conscience de péché, ça y est. Tout avec ce mien, non, Michel, c'est un coup nous. Profession de foi, c'est pour une déclaration à foi. Qui est comme Dieu? Qui laisse qui te coupe mon Dieu? Pas que le monde qui te coupe. Et dans le livre Apocalypse, chapitre 12, les petits nous donnent déjà. Michel présentait comme Sila qui combat des dragons. Et en même temps, comme si là, qui te défend madame, non. Qui c'est l'image l'église Jésus-Christ, hein? Image du peuple bon Dieu qui démarre à la tête. Lui. Donc nous avons dit, Michel c'est porte de rapport tout ça qui est bon. Il c'est porte de rapport tout ça correct.
il défend l'église là, il défend le monde qui doit rien, elle défie tout malfaiteur, tout le monde qui a fait ça qui mal, toute autorité, tout empire qui servait à l'autorité pour piétiner le droit de mon papier ou bien pour faire la guerre. Donc Michel, c'est plus quoi l'ange qui existait. Et c'est lui-même que l'humanité plus priait tout. Comme noté Saint-Michel, qui dit patron, Michel l'Archange, à travers le fait que nous fêtons matin, nous avons dit que nous gestes la foi. Nous montrons que nous avons la foi dans mon Dieu. Et nous voulons demander pour défendre nous, pour protéger nous, contre tout danger, contre tout ça qui mal. Nous avons demandé pour protéger le pays, nous, protéger et défendre la communauté, nous, avec nous, défendre l'humanité, défendre l'église, contre toute puissance fait noir. Michel, dans l'iconographie que vous présentez de lui, l'image que vous faites de lui, même si nous dit Michel sont anges, ça veut dire que c'est pour être corporel. Mais les hommes, vous faites des images de Michel. Et dans l'image, il y a deux bagailles que nous mettons accent. C'est balance avec manchette là où il y a épée. Et tirer à l'énorme fer, c'est à la lumière de deux bagailles. Ça. Comme thème de réflexion, nous te dit dans le commencement, c'est que nous disons, on marche ensemble avec Saint-Michel dans le remède, dans la justice, dans la foi, pour délivrance nous. Et délivrance terre. Marcher ensemble. Nous permettons pays nous, l'église nous, communauté nous, sous balance Michel là, pour nous avec qui je marche ensemble. On gagne. Pour que ce mieux, si nous avons pesé société nous pesé communauté nous, nous avons remarqué. Pas vraiment qui est tête ensemble, pas vraiment qui est marché ensemble vrai. Même si il y a des gens qui prétendent qu'il y a marché ensemble, mais au fond, c'est menti. Il y a plus de division, il y a plus de chirépite dans la société, nous, et même dans l'église, nous. Pape François, il dit toute division. Tout chirépite qui vient dans l'église et dans la société, il y a deux bagailles comme piliers. C'est orgueil avec égoïsme. Il y a des gens qui prétendent qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela que l'autre monde, et des gens qui veulent qu'ils sont même seuls. Dans Luc chapitre 9, verset 46, parmi les apôtres, c'est qu'on a des blousards répétés. Et ça qui est cause des blousards là, c'est discussion pour qu'on ait qui laisse qui plus autorité, qui laisse qui plus chef. Donc c'est là, tout bagaille sorti. Orgueil et puis égoïste. L'orgueil, l'égoïste, ça a pu nous passer. Ou son monde qui a porté en pile passion, mauvais envie dans l'estomac. Si bien que Jacques chapitre 4, verset 1 à 2, nous dit, en pile nous, nous avons pile envie dans le cœur, mauvais passion. Peut-être ça, les pas arrivé, satisfait mauvais envie, mauvais passion, ça vous fait, vous fait violence. Yo touye, Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. L'homme arrive satisfaire désir charnel, matériel, qu'on ait la caillou, vous voulez touiller le monde, vous voulez détruire le monde, vous voulez touiller, pas seulement avec couteau, pas seulement avec manchette, pas seulement avec zame, mais avec langou. Vous faites langou tourner une zame extraordinaire pour détruire. Vous parlez de nous mal. Et souvent, nous pensons que nous sommes en compétition avec l'autre. Mais l'église a fait avec ce mieux.
Ce n'est pas un lieu de compétition. Ce n'est pas un lieu de concurrence. Mais c'est un lieu de service. Si on ne sentit pas, on ne servi, plutôt pas venu. On n'a pas mettre des divisions, mettre des chirépites dans l'église. Là. Et division, ça a fait avec ce mien. Ils ont blessé mon Dieu. Division, ça a ont empêché nous-mêmes tout évangéliser. Nous tous, nous sommes des serviteurs comme avec ce mien. Et des serviteurs inutiles. Mais une fois, nous considérons comme maître, soit dans le choral là, soit dans le groupe là, soit dans le conseil là, des gens qui sont des maîtres. Dans l'église là, tout, parmi les prêtres, les évêques, etc., les cardinaux, bien considérés comme maîtres, comme super prêtres, comme super cardinal, comme super évêques. L'esprit service là, tout aller, orgueil, égoïsme, pral, nos pieds. Pour être mieux, nous pas besoin de délivrer, l'humanité pas besoin de délivrer si des divisions parmi les hommes sous terre. Depuis des divisions, l'ennemi en compte. Et c'est l'ennemi en même diable là qui l'a pour créer division parmi nous. Joseph Staline, comme politicien, lui te dit, l'ennemi nous yon, pour nous craser, pour nous crabiner, ça n'a pas fait. N'a pas suivi tout petit détail la caille. Si tout petit différence, tout petit discord, tout petit mésentente qui existe la caille, n'a pas servi à rien pour nous détruire. C'est même bien Haïti. Si nous divisons, ça fait, nous qui parlons de progresser. Et nous-mêmes, l'Église, si nous divisons, ça fait Satan qui parle de nous sauver. Question pour vous, c'est un matin. Est-ce que son agent qui a créé division? Ou est-ce que son agent qui a créé entente? Est-ce que son agent qui travaille pour mettre nous ensemble? Ou bien est-ce qu'on l'a divisé par tripotage sur le monde, détruit le monde, etc. Par menti sur le monde. Depuis une communauté divisée, c'est fini. Et depuis l'église a divisé, l'église a mis tout le monde désastre. Il n'y a pas l'église Jésus-Christ encore. Toute communauté, c'est division qui l'a, donc il n'y a pas l'église Christ là encore. Parce qu'il n'est pas capable de témoignage. Et puis mon témoignage que Jésus a tant dans mes noms, c'est pour nous yon rêver l'autre, c'est pour nous yon unis, yon avec l'autre. Out ou nous sinte. Jean chapitre 17, verset 21. Jésus qui a prié pour que partisans yon fait yon. Même Jean lui-même avec papa fait yon. Donc cette unité qui va permettre que le monde là croit dans Jésus, croit dans nous qui parlons de Jésus. Donc si nous divisons, le monde là pas besoin de croire dans nous. Le monde là pas croire dans sa pensée. Le monde là pas croire que le bon Dieu n'a pas parlé de lui, c'est le vrai Dieu. Et je crois que c'est ça qui fait de nos jours dans le monde là. Ou à pile côté, nous avons abandonné le vrai Dieu pour suivre de faux dieux. Parce que le monde qui parle de vrai Dieu, le monde sait pas trop comme témoignage. Il nous a détruit l'autre, il nous a tué l'autre, il nous a parlé notre mal. Mais ça a vite fait que le monde l'a dit, mais le monde sait. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux, on a parlé de mon Dieu pour ça? Est-ce que vous êtes sérieux? Mais est-ce que c'est une blague qu'on a fait? Maintenant, chaque monde qui l'a, la conscience de responsabilité, comme monde qui l'a pour créer marché ensemble, là, s'il n'a pas existé, on nous fait une façon pour exister, pour nous marcher ensemble, pour nous ne pas marcher, quitter l'autre, pour nous ne pas prendre devant, pour dire que c'est le vivant, pour le premier.
c'est le plus grand, c'est le plus bon. Mais marche ensemble. Parce que nous sommes petites, bon Dieu. Pas quitter Satan diviser nous. Parce que depuis nous diviser, l'église a crasé. On marche ensemble. Pas avec ce mien. Nous disons qu'on marche ensemble, on voulait marcher ensemble dans la foi. Depuis nous dit la foi, il voulait dire confiance totale dans mon Dieu. Nous disons ça créé. Nous disons ça sauvé. Nous disons ça sauvé l'humanité. Depuis nous disons quoi dans lui, moi doué. Ou dans l'autre monde qui porte côté mien, il y a un frère. Pas un frère pour m'exploiter, mais un frère pour me aimer. La foi avec l'amour marcher côte à côte. La foi avec charité marcher ensemble. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 13. Apôtre Paul dit, ouais, même si vous avez tout don, don pour faire miracle, don pour prêcher, don pour chanter, si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas rien. Si vous n'avez pas aimé, ou pas rien. Donc, si vous avec ce bio, la foi, l'immaconnée avec les meilleurs, et parfois considérer l'autre là, comme nous frère, l'autre là. Mais c'est dommage. En plus, fois, nous ne pas considérer l'autre là comme l'autre. Nous ne pas considérer l'autre comme autre. En plus, fois, nous voulons que fort, nous nous même bien à l'aise. Donc, depuis le différent, depuis le pensée différent de moi, depuis pas que même conception à même, donc, il n'y a pas de frère. Depuis pas que même clan à même, il n'y a pas de frère. Donc, on connaît que chaque monde a le droit à ça. Ça veut dire le droit à la différence. Chaque monde unique. Chaque monde unique et original. Donc, on toujours respecter l'autre là. Dans la qualité, dans la défaut, dans la façon de concevoir la réalité, pour que nous parlions de l'autre là, ça peut être moins d'adoyer. Et dans ce sens, si nous ne pouvons pas faire changement ça dans la vie, nous ne pouvons pas jamais voir l'autre là comme une frère. Nous avons toujours détesté notre gros problème qui permet que. Nous pas qu'à vivre dans l'aimé, nous pas vrai vivre dans l'aimé, nous pas qu'à vivre dans fraternité. C'est parce que, qu'est-ce que soit en Haïti, le pays d'Haïti, soit dans l'église d'Haïti. Les gars parlent, c'est comme si c'est le même plus petit des Salines, par exemple. Ce sont les fils uniques de des Salines. Dans l'église d'où, il y a des gens qui considèrent comme fils uniques, mais comme fils légitimes. L'autre, c'est petit de yo. Et ça, c'est bizarre. C'est que quelqu'un monde vrai qui considère comme petit légitime. C'est absurde quand même. Mais c'est réalité nous comme peuple. Et c'est réalité nous comme église. Peut-être que nos communautés religieuses ont ça tout. Que des chères soeurs, ce sont des filles légitimes. D'autres, c'est petit de yo. C'est petit. Naturel là. Jusqu'il est, n'a suspendu dans la division ça. Et depuis ça là, on dit c'est déjà travail Satan. C'est travail Satan, nous tous, nous sommes frères. Si nous ne cherchons pas à vivre ensemble comme frères, Martin Luther King dit, mais nous mourons ensemble, tant que nous sommes idiots. Si nous ne cherchons pas à vivre ensemble comme frères, nous mourons ensemble. De mouvement idiot, de mouvement imbécile. Et c'est ça qu'a pris Haïti. Nous avons des possibilités pour mettre tête ensemble, nous détruire tête ensemble, nous détruire toute possibilité. Mais ça qu'a pris le monde. C'est pas seulement malheureux qui a mouru. Mais grand nègre mouru, malheureux mouru tout. Mais grand nègre mouru tout. Donc c'est nous qui avons mouru. Parce que nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous vivre comme frère. Nous ne pouvons pas marcher ensemble comme vous, frères avec sœurs. Et nous disons quand même drôle. Haïtien, Haïti, qui a une devise liberté, égalité, fraternité. Vous ne pouvez pas
pas cette église en papier, mais c'est mon peuple. Est-ce que son peuple vraiment? Et peut-être, monde au sein de la communauté internationale qui a tout pisé nous passer nous en papier, nous avons raison. Nous avons raison. Si nous, même entre nous, nous avons tout l'autre, nous passons cette église en papier. Mais nous, étrangers qui ont raison, passer nous en papier. Et c'est quand même parfois révoltant. Là, on va peut-être communiquer. Quand maltraite haïtien, ou pas que haïtien là, qu'on parle en pile. Mais on maltraite haïtien pire dans Haïti. Ça me dit rien. Nous ne sommes pas hypocrites. Qu'elle est dans l'église, qu'elle est dans l'État. Nous passons nos papiers, nous passons dignité, nous passons nos papiers, tout côté. Mais pour nous, c'est notre côté, à passer de droit ici en papier. Zélé, on nous lève, on nous sans honte. Qu'est-ce qu'il a ici? Nous va appeler le monde. Chaque monde qui l'a posé cette question. Posé cette question, mais qui sont fait pour que vous permettez que nous respections la dignité comme monde et comme haïtien? Dans l'église là, peut-être en pile bagaille pas trop différent. Mais si nous apprenons une citation que William Shakespeare fait, il dit, l'église, c'est un bel bagaille. La religion, c'est un bel bagaille. Mais à condition que vous mettez nous ensemble. Mais pas à condition que vous donnez les gens. Pas à condition que faites-nous tourner sous nous, mais à condition que nous créions fraternité. L'église, c'est belle bagaille. La religion, c'est belle bagaille. Et nous-mêmes, dans la communauté, nous, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est belle bagaille pour nous vivre ici, là, pour nous célébrer matin? Est-ce que nous sentons liés à l'autre? Mais est-ce que nous sentons que l'esprit de puissance, d'autorité, de pouvoir un côté, de nous qui voulons dominer, la fraternité n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Dans la justice, on marche ensemble dans la foi, on a remis la justice. Mais nous, regardez Haïti. Si nous mettons sous balance Saint-Michel là, après, moi qui viens juste là pour les toucher avec terre. Parce que nous sommes capables de nous un peuple essentiellement injuste. Moi, injuste en pile. Quand on parle de justice, c'est pas chaque monde sa couli pour ne pas gagner respect, respect droit, respect dignité. Même si tu es pauvre, même si tu es riche, même si tu es terre sale, il n'y a pas de rap, on doit respecter dignité. Maintenant, il dit, on peut quoi ça me fait? Qui nous a plus mal? Qui nous a plus importance? Qui nous considère comme moi? C'est le monde qui a l'argent. Même quand dans l'église, pour ça tout. C'est pour gagner l'argent, c'est pour ça qui moune. Nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites parce que nous péchons Jésus qui vient pour pavillon et nous-mêmes sommes riches, nous prêts pour nous mettre en l'air pendant que nous avons le droit, nous qui pavillon. Nous venons mettre la société sous balancer Michel Lacougne. On n'a que chaque monde qui l'a sur la lance Saint-Michel. Nous connaissons avec Seigneur. Saint-Michel, il est considéré comme gardien porte-paradis. Quand on chante d'entrée pour aller chanter ça. Et dans ce sens, Saint-Michel a une mission extraordinaire. Mission ça, c'est pour peser, non, chaque monde a envoyé à le juger pour rentrer dans le paradis. Mission ça, elle est la psychostasie. La psychostasie, peser des âmes. L'homme mourit, Michel Calmet était même sous balance pour nous. Qui bien, qui quantité remet ont été fait? Qui bien ont été fait pour l'autre monde? Nous-mêmes qui là, qui bien nous fait pour l'autre monde? En plus, peut-être nous faisons bien pour le monde qui fait bien pour nous. Le monde qui ont mis nous, nous partageons plus avec nous qui riches que nous qui pauvres. Question à poser nous-mêmes. Tout ça nous dit dans nous. Mais qui ça nous fait avec nous pour bien l'autre? Pour soulager la misère l'autre là? Nous vivons dans un pays où nous
Nous capables de dire, nous pas capables encore, mais il y a des gens qui sont capables. Il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont des moyens. Mais qui ça nous fait de moyens, nous gagnons pendant qu'il y a un pire qui a souffert. Nous serrons la banque, nous serrons pour vivre de façon égoïste. Songez que l'argent va sauver. L'olive est dans le ciel là. L'olive est dans le porte jugement. L'argent va utile. C'est l'aimé. C'est quantité l'amour. Ou t'es dans le corps de la vie sous terre. C'est ça que la possibilité pour balance, là, équilibrer et avoir une chance d'entrer dans le royaume du ciel. Là. En plus, nous sommes insensibles. Nous sans cœur, nous sans pitié, nous sans compassion et sans compréhension. C'est comme si nous étions capables de vivre dans nos sociétés, mais nous presque disons pas monde. C'est un peu une bonne humaine, c'est un peu une bonne bête qui nous envisage nous. Lorsqu'on a de façon haïtienne à vivre avec haïtien, nous dit pas possible. Nous sans pitié, nous sans cœur. Mais on peut être français que discuter en veine dernièrement. Il dit qu'il faut que vous n'avez pas de Satan fait. La gamine, c'est qu'on vient de qu'elle dit sans pitié. Et bien, il y a un monde dans l'église qui est venu canoniser pour faire des débats sur lui. Il dit que ça, tout le monde est dans lui. Il y a un monde qui n'est pas pauvre. C'est ça, il y a un monde. Même gens dans nous, en pile fois, ouais, nous de loin, comme des signes. Mais au fond, des pourritures. Donc ça, il y a dans l'IMSE et l'église pour le décès. Mais moi qui m'a mis près de Lyon, en pile fois, lui exploité, il n'y a pas de valeur comme nous. Mais au fond, la télévision, c'est un type qui défend les pauvres. C'est moi qui a défendu moi, mais moi qui m'a côté Lyon, il n'y a pas considéré comme nous. Ça a une double vie, peut-être qu'il y a une triple vie. Vous me matez, posez cette question, est-ce qu'il y a une double vie? Vous ne combattez pas quelqu'un qui paraît dans la société que m'y est comme père. Et mon autre réalité est cachée que m'y est dans la vie normalement. Côté que pas qu'à vivre avec nous. Qu'elle dit sans pitié, maltraiter nous. Est-ce qu'on consent? Est-ce qu'elle nous consent? Père, vous tout posez cette question. Est-ce que nous comme ça? Comme avec ce mignon, nous chaque qui l'a, nous t'avons des mounes qui vivent dans le rêve. Nous t'avons des mounes, langage, nous c'est l'amour. Et même ça nous écrit, ça nous respire l'amour. Ça veut dire, non, ça nous écrit, nous devons retrouver le jeu qui est posé, qui est posé dans ça nous écrit. Ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes capables de dire, nous sommes des philographes. À travers la calligraphie, nous avons écrit. Que nous nous retrouvons. Les gens qui sont écrits, sont postés sur Facebook, nous retrouvons l'amour bon Dieu, nous retrouvons l'espoir si on a perdu l'espoir. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Je dis à nous tous, nous mettons-nous sous balance, Michel là. Et à partir de ça, nous découvrir pour nous demander pour Dieu grâce, conversion, pour nous changer, pour nous vivre monde. Je m'habitue à dire, pas demander pour nous vivre chrétien tout de suite. Même pour nous vivre monde tout de suite. Parce que si on pas monde, on n'est pas chrétien. Si on pas monde, on n'est pas père, on n'est pas mère, mais on n'est pas chrétien. On n'est pas tout bagaille. Mais si on pas monde, on n'est pas rien. On prend l'épée Saint-Michel là. Avec ce mion, et puis c'est Michel là, lui demande nous pour nous engager nous dans la bataille pour gagner une autre société en Haïti, pour qu'on ait autre communauté dans Saint-Michel et pour qu'on ait autre l'église dans les NIP. Pour que nous engager nous. Et puis c'est symbole combat, bataille. Qui est comme Dieu? Tu as même un cri de guerre si tu mettais plus d'interrogation derrière. Tout cri de guerre. Nous-mêmes chrétiens, nous sommes ceux qui ont la guerre, la bataille contre le mal. Mal dans la vie, nous, mal dans la famille, nous. Mal dans la société, nous. Mal dans l'église, nous. Mal dans l'église, nous.
Faut que nous gourmets comme ça. Faut que nous gourmets comme ça.